Qu'est-ce que j'ai fait sur ma semaine de reprise après ma coupure de fin de saison? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Après 4 semaines de coupure hivernale, il était donc temps de reprendre l'entraînement. Dans cette vidéo, on va voir quel entraînement j'ai fait sur ma semaine de reprise. Ma semaine était du dimanche au dimanche, j'ai repris un dimanche. Quoi de mieux que reprendre en douceur par une marche de 3 heures? Moi qui ai marché, ça me dérange pas de faire des randos de plusieurs heures. Allez, c'est parti! Direction les Rochers de Pifroid. C'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière sur la chaîne. Et pour ceux qui l'ont pas vue, vous pouvez aller la voir. Première montée un peu raide. Mais après, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas insurmontable. Aujourd'hui, ça sera pas très très dur. Allez, dernière rampe là-haut. Après, il y a un replat. 2 km. Allez, c'est parti pour la dernière partie. Six kilomètres. La dernière partie, elle est dans les sous-bois. Là, je suis bientôt arrivé dans moins d'un kilomètre. J'y serai. Ça y est, je suis arrivé. 1h11. 6,71 km. À nous deux avant de repartir. Allez, c'est parti pour la redescente. À mon avis, je vais rallonger un peu parce que là j'ai un peu moins d'1h30. La descente c'est plus rapide. Donc bon, on verra. Allez, 10 km de retour au plat de Saint-Romain. Tout à l'heure, je suis venu par la gauche et là je vais descendre par la droite. Tout aussi raide, voire même plus raide, vous allez voir. Voilà la montée derrière. Zinzin. Là, j'étais juste là. Hop là. Et les Rochers de Pifroid, là où j'étais tout à l'heure. Allez, je vais pas redescendre tout de suite, je vais remonter au plat de Saint-Romain une dernière fois et après je pourrai redescendre pour Deux-Monts pour rentrer. Troisième plat de Saint-Romain validé, maintenant plus que la redescente. Et voilà, un peu plus de 16 km, 3 heures, fin de la première sortie.
J'enchaîne. Donc ça, c'était dimanche. Le lendemain, lundi, c'était repos, donc j'ai rien fait. On enchaîne directement avec le mardi. Mardi, j'ai rattaqué la course à pied par 45 minutes de footing et la PPG. Donc la PPG, c'est la préparation physique générale. Donc c'est du renforcement musculaire qui peut se faire à la maison, pas besoin de salle de musculation. Moi qui aime bien courir, j'ai vraiment kiffé l'entraînement. Et le renfort musculaire qui permet de se remettre un petit peu dans le bain. Entraînement du jour, un footing de 45 minutes. Tranquille au niveau de l'allure, je tourne autour de 5-6 au kill. Allez, plus qu'une petite dizaine de minutes. Et voilà, fin de l'entraînement. Les 45 minutes de footing, c'est fait. Up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up. Le lendemain, mercredi, de retour sur un vélo, et non pas le vélo de route, mais le VTT. Au programme, 2 heures de VTT, donc en balade, I2 tranquille, accompagné par un pote à moi, Noé. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Donc voilà, c'était bien cool, on a fait la petite balade. Normalement, il y aura peut-être un vlog ride la semaine prochaine sur cette sortie. Je vous en dis pas plus. En tout cas, ça fait du bien de remonter sur un vélo après 4 semaines et sur un VTT après presque un an. Le lendemain, jeudi, c'est repos, donc on enchaîne avec vendredi. Vendredi, même programme que pour mardi. 45 minutes de footing et 30 minutes de PPG, renforcement musculaire. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Allez, c'est parti pour le deuxième entraînement de course à pied de la semaine.
45 minutes de footing comme mardi. Let's go. Au niveau du parcours, c'est le même que mardi. Voilà, il est pas mal, ça fait 7 bornes. Histoire de faire 45 minutes. J'avais les jambes un peu lourdes mardi après la course à pied. Le fait de faire 2 heures de VTT hier, j'ai un peu moins mal aux jambes là. Le fait de tourner les jambes, ça fait du bien. Je monte. Allez, 30 minutes, plus qu'un quart d'heure, ça passe vite. Au niveau de l'allure, je tourne autour de 5-6 au kill. C'est plus vers les 6 au kill. Dans les montées, je vais un peu moins vite et dans les descentes, je rattrape le temps. C'est juste un footing, le but c'est pas trop de faire monter le cœur. J'ai un coup de cul. Allez, la descente. Et voilà, fin d'entraînement. La course à pied pour cette semaine, c'est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'un entraînement. 4 heures de marche dimanche. Petit tour de temps quand même. J'essaie de montrer s'il y a du poisson. Il y en a un là, là. On dirait qu'il y en a la moitié en train de mourir. On voit les canards là-bas. J'essaie de me rapprocher. Bon, y'a pas de pêcheur aujourd'hui. On va la pêche au canard. Ouais, je vais leur faire peur. Bon, allez. Je rentre parce qu'il commence à tout voir. J'ai attrapé froid après. Étant donné que c'est une semaine de reprise après une coupure assez longue, on reprend tranquille, donc le lendemain, c'est repos aussi. Puis, pour terminer la semaine en beauté, quoi de mieux qu'une marche de 4 heures cette fois-ci. On augmente un petit peu le temps. Donc voilà, j'ai fait même un petit peu plus que 4 heures. Mais bon, ça va, rien de très grave. En tout cas, j'en ai bien profité. Je vous laisse avec les images. Allez, dernier entraînement de la semaine. 4 heures rando, c'est parti. Ça y est, il se met à pleuvoir. Let's go. Je pense que pendant 4 heures, je vais avoir que des averses. Beau temps, pluie. Mais bon, ça va, là, je suis bien, il fait bon. Aujourd'hui, objectif, col des brosses. C'est un peu plus de 800 mètres d'altitude. Je suis parti à 300, donc voilà. Ça va être cool. Allez, première étape, la table d'orientation, c'est fait. Cette fois-ci, j'ai pas pris de sac. Niveau alimentation, j'ai pris 4 barres, une barre par heure. Pour l'eau, j'ai pris un bidon que je peux remplir plusieurs fois pendant la sortie. Le col des Brosses, c'est un col routier à un peu plus de 867 mètres d'altitude de mémoire. Je sais pas trop combien de temps je vais mettre pour arriver là-bas. Mais je verrai si je suis en avance. Il y a un deuxième col à côté que j'irai faire pour faire un petit détour. Et deuxième étape de fait,
direction de la troisième étape, là-bas en face. J'arrive à la troisième étape. On a une belle vue, ça s'est bien dégagé. On voit tout Lyon. C'est magnifique. Allez, troisième étape, j'en profite pour reprendre de l'eau. Ravitaillement. C'est reparti, j'en profite pour prendre ma première barre. Je suis à 45 minutes, un peu plus. Le dernier, donc en début de vidéo, la rando que j'ai fait, c'est les rochers de Pifrois. Et on voit le chemin là. On voit le chemin qui monte juste là. Et les rochers, en fait, ils sont entre les deux montagnes là. Oh, la tempête, elle a fait des ravages. Mama! Allez, 1 heure, 6 km5. Première heure de fait. Ça va, j'ai le bon rythme. Bien. Allez, j'arrive à la quatrième étape. Je vais m'arrêter prendre de l'eau une dernière fois parce qu'après il n'y aura plus trop de fontaines pour re-remplir. Et puis après ça sera parti pour l'école. Je quitte le village, direction le col de la Croix de Part. Direction le col de la Croix de Part. Après, je ferai demi-tour pour redescendre et aller au col des Grosses, ici. Et voilà, le col. 111 mètres. Je vais quand même aller jusqu'au bout, hein. Faut pas les choses à moitié. Allez, demi-tour, direction le col des Brosses. On voit bien les deux routes. Hop là, je suis venu par là. Le col des Brosses, c'est cette route-là. Allez, deuxième barre du jour. 1h45, un peu plus de 11,5 km. Et voilà, de retour à l'intersection. Ça m'aura rajouté 20 minutes à peu près. À 17, 15 km5, le col des Brosses validé. Maintenant, il reste la redescente. Allez, 2h45, 19 km, troisième barre. Allez, à l'entame de la troisième heure, je prends ma deuxième compote. Je quitte le plateau pour redescendre. La vraie descente commence. Allez, 3h30, dernier ravito de la journée, une pâte de fruits. Hop là, on voit bien le barrage là. Bon, je pourrais pas aller au barrage, j'aurais bien aimé vous montrer, mais ça va me faire un peu trop. Et la pluie qui refait son apparition à une petite demi-heure de la fin. Never gonna look back.
Et voilà pour le dernier entraînement de la semaine. Voilà pour ma première semaine de reprise. Donc 5 jours d'entraînement et 3 jours de récupération. Ça fait du bien de reprendre le sport après une longue coupure, même si j'en avais besoin. Là, je suis frais mentalement, frais physiquement, prêt à attaquer la saison 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que vous pouvez vous en inspirer si vous êtes encore en coupure. Voilà pour votre reprise. Si vous savez pas quoi faire et que ça peut vous donner des idées, c'est cadeau. Normalement, la semaine prochaine, si tout se passe bien, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vlog ride VTT avec Noé. Allez, entraînez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Ciao.